الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2016 من قبل أكاديميين ومهنيين جزائريين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف من وراء تأسيسها هو رد الجميل للوطن والمساعدة في رفع مستوى التعليم في الجزائر. مهمة إناس هي ربط الكفاءات الجزائرية في جميع أنحاء العالم مع نظرائهم في الجزائر. من بين أنشطتها، نظمت إناس مؤتمراً مهماً عقد خارج العاصمة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019. حدد المشاركون في المؤتمر عدة قطاعات حيوية تحتاجها الجزائر، واتفقوا على العمل في 10 مشاريع تغطي مجالات مختلفة، نذكر منها التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة البيئية إلى آخره، والعمل في هذه المشاريع لا زال قائماً. تستخدم إناس أكثر المناهج العلمية تطوراً من أجل تسيير ومعالجة هذه المشاريع. البداية المتواضعة لإناس تضمنت عدداً قليلاً من الأعضاء، وهي اليوم تضم مئات الجزائريين الأكفاء من جميع أنحاء العالم. هدفهم هو المشاركة في رد الجميل والمساهمة في بناء جزائرنا الجديدة. هذه الثلة من الكفاءات الجزائرية الفخورة بوطنها تجمع بين التنوع والخبرة مع الاستعداد والرغبة في تمهيد الطريق من أجل مستقبل مشرق للجزائر. تستخدم إناس منصة تقنية جد متطورة تسمح للأعضاء بالتعاون وتبادل الأفكار والخبرات. كمنظمة قائمة، إناس لديها أقسام عملية مختلفة تضمن الدعم المحترف لجميع أعضائها ومشاريعها وتظاهراتها العلمية. نرحب بكل الكفاءات الجزائرية في العالم للانضمام إلينا في هذه المهمة النبيلة. الجزائر أكبر منا جميعاً، فلننهض ولنترك بصمتنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب عبر قناة الشبكة الدولية للعلماء الجزائريين إناس. ستكون ندوتنا هذه حول ضعف المنشآت العمرانية في الجزائر من حيث مقاومة الزلازل، من تقديم دكتور منير نايلي من كندا والأستاذ عمروش محمد من اليابان. So, السلام عليكم. Welcome to all our dear viewers to this live broadcast on Facebook and YouTube channels of the International Network of Algerian Scientists. Our webinar will be on the seismic vulnerability of the typical Algerian building, presented by Dr. Munir Naili from Canada and Dr. Amroush Mohammed from Japan. إذن إليك الخط أستاذ عمروش محمد. فضل. شكرا عبد الحي، السلام عليكم. شكرا لكم، الخير عليكم. معكم محمد عمروش من اليابان. I am the group leader of the geoscience group with INAS and I'm leading this project. فضل أستاذ عمروش. I think you can hear me. So I'm leading this this project on live about earthquake hazard mitigation, where we will try to invite different specialists to talk about seismic vulnerability of buildings and earthquake in general. Donc, inshallah, our third webinar اليوم, it will be delivered in French language. And our guest speaker is Dr. Naili Munir. Donc, je vais essayer de faire l'introduction à Dr. Naili. Salam alaikum, Dr. Naili. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Merci. Donc, je vais essayer de faire une petite présentation du Dr. Naili. Dr. Naili est maître de conférence à l'Université Laurentienne au Canada. Il est diplômé de l'Institut de génie civil de l'Université des sciences et des technologies à Babzoua en 1991. Dr. Naili a également reçu son diplôme de Master en ingénierie, or Master of Engineering, de l'Institut international de sismologie et de génie parasismique, BRI, à l'Université de Tsukuba au Japon en 1998. Il a aussi obtenu un magistère en 2001 en génie de construction de Babzoua en 2001. En 2006, Dr. Naili a reçu son PhD en géotechnique appliquée en génie parasismique de l'Université de Tsukuba au Japon. Il a rejoint l'Institut de recherche en travaux publics en 2006 comme chercheur postdoctorant. Il a également été maître de recherche, chef d'équipe de recherche au Centre national de recherche appliquée au génie parasismique en Algérie, le CGS, depuis 1992 jusqu'à 2010.
et puis directeur de sa division de génie parasismique, supervisant plus de 6 équipes de recherche de 2011 à 2013. Et le domaine de recherche du Dr Naili et son expertise est vaste et varié. Ça inclut l'analyse probabilistique et déterministique de l'aléa sismique à l'échelle locale et régionale, les mesures des vibrations ambiantes et la surveillance structurelle des ouvrages, ainsi que l'analyse des vulnérabilités sismiques des structures et le risque sismique des tissus urbains et des problèmes de la liquéfaction des sols. Donc aujourd'hui, Dr Naili va essayer de nous parler un peu de la vulnérabilité des structures des constructions en Algérie. Et donc, let me just add to the stream his slides. Can you please share your slides? Merci, merci. On peut voir. We can see the slides. So the floor is yours, Dr. Naili. Shukran, Dr. Amrouch. Donc, bonjour, salam alaikum à tout le monde. Je tiens donc à remercier Dr. Amrouch à travers le réseau INAS pour cette opportunité de reparler encore de la problématique d'évaluation du risque sismique en Algérie. Et au risque de décevoir mes amis, mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous donne des chiffres ou bien que je décrive la méthodologie. C'est loin le cas. Mon approche, c'est beaucoup plus une approche réflexive, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est l'évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments typiques en Algérie, mais avec beaucoup plus une approche réflexive. Et puis, je vais essayer donc d'expliquer ça consisterait en quoi et ce que j'aimerais de l'assistance, c'est d'avoir cette réactivité tafa'ul, parce que je compte, inshallah, mettre la machine en branle pour pouvoir lancer les jalons d'une nouvelle approche pour le contexte algérien. Alors, voici le plan de ma présentation. Donc, je vais un petit peu situer le contexte de cette présentation. Ensuite, revenir brièvement sur le contexte sismotectonique et puis la sismicité récente de l'Algérie. Ça va être d'une façon très brève. Quels sont les éléments qui constituent ou bien qui rentrent en jeu dans l'évaluation du risque sismique? Et puis, je vais beaucoup plus me concentrer sur l'évaluation de la vulnérabilité sismique avec quelques éléments de réflexion. Alors, qu'est-ce que l'approche réflexive? C'est la capacité à se remettre en question dans le but d'analyser et d'évaluer ses actes en lien avec sa pratique tout au long de sa carrière professionnelle. Comme l'a présenté Dr Amrouch, j'ai rejoint le CGS en 1991, donc depuis 1991, 2001, 2021, ça va faire 30 ans que je suis impliqué dans ce domaine, disons, de génie parasismique avec toutes ses composantes variées. Et puis, beaucoup a été fait en Algérie. Il ne faut pas remettre en cause les efforts immenses qui ont été faits, même s'il y a des insuffisances. On a quand même un capital de 30 ans d'expérience. Alors, la question que je me suis posée lorsque M. Amrouch, enfin M. Mohamed m'a approché pour pouvoir donner ma présentation, je me suis dit, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le lieu ni le temps de refaire ou bien de recréer la roue. Il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, comment peut-on aller de l'avant? Comment peut-on faire la synthèse de tous les travaux, les études qui ont été faites, et puis comment peut-on, entre guillemets, algérianiser la pratique de la vulnérabilité ou bien de l'analyse de la vulnérabilité au sisme des bâtiments stratégiques ou bien des bâtiments courants en Algérie. Alors, cette démarche-là, si vous voulez, elle s'inscrit dans ce que je suis en train de faire à la Laurentienne, beaucoup plus dans mon cours de conception en ingénierie. On a un cours pour les premières années qui s'intitule Engineering Seismic Design ou bien Engineering Design and Graphics, où on essaye d'associer, si vous voulez, trois domaines, les sciences, les mathématiques, la technologie et puis le rapport en ingénierie. Alors, cette démarche en Amérique du Nord, vous savez que tous les programmes de génie, ça c'est une petite juste historique.
tous les programmes de génie en Amérique du Nord sont accrédités. Ça veut dire que on ne peut pas dispenser, on ne peut pas remettre un diplôme, on ne peut pas délivrer un diplôme de génie si ce n'est pas, si vous voulez, audité, validé par un organisme indépendant qu'on appelle le Bureau canadien d'accréditation des programmes de génie. C'est lui qui voit la conformité en ce qui concerne la qualité assurance ou l'assurance de la qualité. Et puis, lorsque le diplôme est délivré, l'ingénieur, il peut bien sûr pratiquer. Donc, il voit d'abord qu'il intègre un ordre de profession. Et puis, son diplôme est valide n'importe où à travers le monde. Donc, il y a des ententes de reconnaissance des diplômes et l'ingénieur peut travailler n'importe où. Alors, cette approche-là, depuis 20 ans, on s'est aperçu que les sciences, lorsque je parle des sciences, c'est les mathématiques, la physique, chimie, biologie, les cours d'environnement, la technologie ne sont une partie intégrante du génie. Et donc, tout problème de génie, c'est un problème qui a des solutions multiples, ce qu'on appelle « open-ended solutions ». Et puis, ça s'explique, disons, par cette boucle-là. Donc, je vais revenir. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Et c'est une approche donc, qui a été développée par le Musée des sciences à Boston pour les STEAM, donc Sciences, Technologies, Engineering et puis Mathematics. C'est d'abord une approche qui s'articule autour de 5 composantes. Quand on inculque aux futurs ingénieurs, d'abord, commencer par se poser des questions. Quelle est la problématique? Qu'est-ce que les autres ont fait? Et puis, quelles sont les contraintes? Là, c'est très important. Donc, ce n'est pas un cours de génie que je suis en train de donner, mais juste pour vous expliquer les 5 articulations de cette démarche-là. Ensuite, on pousse les élèves ingénieurs à imaginer des solutions à travers ce qu'on appelle le brainstorming ou bien à travers le remue-ménage. En leur disant de s'associer en groupe, en petits groupes, et puis que chacun réfléchisse à sa façon comment il peut résoudre le problème à sa manière, et puis quelle est la meilleure solution envisageable. Ensuite, de faire un plan d'approche et quels sont, disons, si vous voulez, les ingrédients pour pouvoir trouver cette solution, mais pour pouvoir mettre en application cette solution-là. Ensuite, leur demander de faire preuve d'un esprit créatif dans la plupart des cas, donc, les étudiants sont amenés à confectionner un prototype. Donc, ils vont tester ce prototype-là. Ils vont avoir un retour d'expérience. Ils vont le tester devant nous et puis ils vont devoir l'améliorer. Et c'est ça où s'inscrit donc ma démarche par rapport à l'approche en matière, disons, d'évaluation de la vulnérabilité sismique des ouvrages. Donc, ça, c'est à peu près, vous voyez, donc c'est une chaîne qui est fermée. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit toujours se remettre en question, on doit toujours voir ce qui a été fait et comment peut-on améliorer toujours en fonction des éléments nouveaux qui se présenteront à nous. Et puis, je vais expliquer ça par la suite. Alors, donc, j'entre maintenant dans le vif du sujet, puis ma présentation, elle fait suite à ce qui a été fait, je pense, en deuxième présentation par le docteur Hamoud Beljoud du CRAG. Donc, lui, il a parlé de la sismicité récente de l'Algérie. Je la rappelle brièvement ici. Donc, tout le monde connaît le contexte sismotectonique de l'Algérie. Donc, l'Algérie, elle se trouve sur la plaque africaine, laquelle elle est en collusion avec la plaque euro-asienne. Et puis ici, donc, on voit le niveau de déplacement ou bien le taux de déplacement annuel au niveau de la frange maritime ou bien au niveau de la plaque ou bien au niveau de la marche méditerranéenne. Donc, c'est un contexte grosso modo de compression. L'autre, ça m'a été donné donc par mon ami Saïd Marouche. Donc, il a compilé pratiquement l'ensemble des mécanismes focaux. J'ai mis des sismes instrumentaux entre parenthèses, point d'interrogation, parce que il a mis 2 événements, donc 67 et puis 74, pour lesquels je ne sais pas si on possède les enregistrements sismiques. Donc, pour moi, tout ce qui après 1900, ça représente la sismicité instrumentale, à moins que je me trompe. Et puis, on peut voir que la plupart des mécanismes focaux
c'est des mécanismes en faille inverse. Ça veut dire qu'on est dans un contexte de compression, bien qu'il y ait certaines parties où on a des failles qui sont décrochantes, c'est-à-dire des failles coulissantes. Alors, tout ce contexte sismotectonique-là est à l'origine de la sismicité récente de l'Algérie. Donc là, je reprends la carte de la sismicité instrumentale qui a été compilée par le CGS. Donc, lorsque je parle d'instrumentale, ça veut dire les dus aux sismes qui ont été enregistrés, que ce soit les répliques ou bien les sismes, les chocs principaux. Donc, à commencer par Schlüff. Donc, Schlüff, ça a été en 1980. Et puis, on a enregistré que des répliques avec le réseau portable des IS à l'époque, donc de Macédoine. Et puis, le reste, ça a été donc fourni par le CTC et puis par le CGS. Alors, ce qui peut attirer votre attention ici, c'est que, hormis le sisme de Schlüff, dans la elle dépasse donc 7.3, Boumerdès 6.8, les autres sont de sismicité modérée. La magnitude des ondes S, donc ce qui intéresse le génie civil que je suis, ou bien le génie parasismique que je suis, c'est en rapport directement avec l'accélération ou bien avec l'amplitude de l'accélération du séisme, c'est que vous avez des intensités ou bien vous avez des magnitudes de 5.6, et puis ces 5.6-là ont causé des dégâts énormes, ont causé des pertes de vie énormes et puis ont causé des dégâts énormes. Et puis la question qui se pose, où est si vous voulez, le hic? Est-ce que c'est à cause de ces sismes-là? Peut-être c'est le mécanisme focal, peut-être c'est la profondeur focale, ou bien c'est parce que notre bâti existant est très faible. Alors, c'est les questions que j'essaierai donc de répondre dans cette présentation. Alors, il s'agit bien sûr, donc, avant d'arriver à l'évaluation de la vulnérabilité au séisme, c'est de compiler ce qu'on appelle la matrice risque sismique. Alors, lorsque on parle d'éléments qui rentrent dans l'évaluation du risque sismique, alors, je donne juste une brève définition. Donc, risque sismique se rapporte aux pertes attendues d'un élément à risque ou bien d'un élément, d'un enjeu donné sur une période donnée de temps. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a trois éléments. Donc, expected losses, donc les dommages attendus, les éléments au risque, exposés au risque, et puis la période spécifique de temps. Alors ça, c'est très fondamental, c'est très important lorsqu'on initie une démarche ou bien une méthode pour pouvoir quantifier le risque sismique. Ça peut s'appliquer également à tout autre risque dû à un événement naturel, inondation, glissement de terrain, coulée de boue, risque industriel, tout ce qui s'ensuit. Alors lorsque je parle d'éléments exposés au risque, ce sont les enjeux. Tout dépend comment on veut quantifier cet élément à risque. Est-ce qu'il s'agit de pertes économiques, puisqu'on est en train de parler des pertes attendues, expected losses. Est-ce que je donne un exemple très 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 simple. Si on parle de la centrale électrique d'Al-Hamma, qui a une capacité, je pense, de 1 mégawatt, supposons que cette station électrique de l'Hama est en panne. Alors, s'il va être en panne, ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre d'habitants, je pense 100 000, 200 000, elle dessert toute la ville d'Alger, qui ne vont pas avoir d'électricité. Et donc, c'est un manque à gagner pour son Sonelgaz. Et essayer de faire le rapport avec, par exemple, ce qui se passe au Canada, au Québec. Hydro-Québec, ils desserrent, ils ont beaucoup de barrages et donc ils ont de l'électricité en surplus. Donc, ils vendent de l'électricité aux États-Unis, à une partie des États-Unis. Imaginons qu'une ou deux centrales électriques, elles sont en panne. Ça veut dire que non seulement vous allez pénaliser tous les habitants, tous vos consommateurs, vos clients au niveau des États-Unis, mais ça va être un manque à gagner pour Hydro-Québec. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pertes économiques directes. Maintenant, si
Il s'agit d'un événement naturel, risque sismique, tremblement de terre, coulée de boue, glissement de terrain, tout ce qui s'ensuit, une calamité industrielle. Alors, ça peut avoir une incidence sur les pertes en vie humaine. Donc, ça, c'est également, ça fait partie des éléments à risque. Et puis, le troisième paramètre qui est important lorsque on se met à évaluer ce risque sismique, il faudrait toujours se donner un laps de temps. Chose qui, malheureusement, nous manque en Algérie. Je m'explique. On a entrepris d'évaluer le risque sismique, ou bien d'évaluer la vulnérabilité au sisme des bâtiments. Mais on ne s'est jamais posé la question. Lorsque je parle des bâtiments, je peux également étendre mon raisonnement aux ouvrages. Lorsque je parle d'ouvrages, je parle par exemple des ponts, je parle des barrages, je parle des infrastructures de base et tout ce qui s'ensuit. Lorsque vous construisez une infrastructure, cette infrastructure, un pont par exemple, il a une durée de vie de 50 ans, de 100 ans. Un barrage, la même chose, quelle est sa durée de vie? Est-ce que sa durée de vie elle est de 100 ans, de 200 ans d'exploitation? Ça, c'est très important, c'est très fondamental comme élément qui vous permet d'évaluer le risque. En l'absence de cette, définition de la période d'exploitation, le risque sismique devient caduque. Pourquoi? Parce que vous allez non seulement avoir des résultats qui ne sont pas représentatifs, mais ça ne sert à rien de maintenir des ouvrages qui ont trop fonctionné ou bien qui sont au-delà de la limite. On va encore revenir sur ça. Alors, dans sa définition la plus simple, donc le risque au niveau d'un site, il est défini, donc là c'est ce que j'ai essayé de faire comme définition. Donc vous avez un côté, vous avez le numérateur et puis vous avez un dénominateur. Au niveau du numérateur, vous avez l'alias et l'alias sismique. Ensuite, vous avez la vulnérabilité. Ensuite, vous avez les enjeux. Et au niveau du dénominateur, vous avez la préparation et puis vous avez la résilience. Alors, le produit de ces deux-là, c'est ce qu'on appelle donc la réduction. Seismic or risk mitigation. Donc, plus la population, entre population, elle est préparée, plus elle est résiliente, plus le risque est moindre. Et on peut directement penser à la population japonaise en deux circonstances. Donc, sur le plan de la préparation, vous savez très bien que le 1er septembre au Japon de chaque année, toute la population, elle est amenée à faire des simulations en vraie grandeur parce qu'ils s'attendent au Big One à Tokyo. Et donc, on sort toute la population avec tous les volontaires, tous les bénévoles, et puis on simule réellement. Et puis on fait intervenir la protection civile, on fait intervenir les médecins, on fait intervenir tous les corps d'État pour pouvoir justement les amener à se préparer à l'éventuel de ce séisme-là. Ensuite, vous avez la résilience. Si vous vous rappelez, au cours du séisme de mars 2011 de Fukushima, malgré l'intensité, malgré l'amplitude, l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la catastrophe, on n'a pas vu une population japonaise s'affoler. On a vu tout le monde, par exemple, faire la file et puis attendre à ce qu'elle obtienne sa part d'eau potable ou bien de denrées alimentaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une population à surmonter ou bien à se relever après une catastrophe. Alors, plus ces deux facteurs-là sont importants, plus le risque est minime. A fortiori, bien à contrario, donc, au niveau du numérateur, donc vous avez l'alias. L'alias, c'est quoi? L'alias, c'est la probabilité d'avoir un événement ou bien d'avoir un phénomène naturel au cours d'une certaine période de temps qui correspond à une période d'exposition. Je m'explique. Je me concentre sur, par exemple, sur un bâtiment. On peut dire la chose suivante: quelle est la probabilité qu'un séisme qui a une magnitude de 5 ou bien une magnitude de 6 ou bien une magnitude de 7 qui va survenir au cours des 10, des 20, des 50, des 100 prochains ans, sachant que mon bâtiment, il va être exploitable pendant 50, pendant 100 ans. Si maintenant je vais transposer la même définition pour un barrage,
à ce moment-là, l'ingénieur génie civil n'a pas besoin de magnitude. Il va dire, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'accélération ou bien c'est l'intensité spectrale. Alors, il peut reformuler l'analyse sismique de la façon suivante. Quelle est la probabilité que dans les prochains 50 ans ou bien les prochains 100 ans ou bien dans une période de autour de 100 ans, que je puisse avoir, que bien comme mon barrage peut-être, puisse être affecté par un sisme qui a une intensité spectrale de 0,5G ou bien de 0,6G, sachant que je vais garder mon barrage pendant 100 ans. Alors, vous voyez très bien sur ce paramètre-là, l'ingénieur de génie civil que je suis ou bien que vous êtes ne peut rien faire. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus controverse. En ce sens-là, elle fait partie d'un jugement d'ingénieur qui fait intervenir beaucoup plus les sismotectoniciens, les géologues structuraux, parce que c'est eux qui vont nous dire quels sont les accidents majeurs qui sont capables de pouvoir générer des tremblements de terre qui risquent d'affecter nos ouvrages. Alors, sur ça, on ne peut rien faire. L'alias, elle est là, on ne peut pas la changer. Sur quoi on peut peut-être spéculer, si je peux parler de ce terme-là, spéculation, c'est au niveau de cette probabilité. Je donne un exemple, un autre exemple. En se disant, l'ingénieur de génie civil que vous êtes, ou bien l'ingénieur de génie pasme que vous êtes, quelle est la probabilité? Est-ce que je vais avoir une probabilité de 10%, de 20%, de 40% d'avoir une accélération d'un PGA de 0,5G au cours des 100 ans, des prochains 100 ans qui constituent la période d'exploitation de mon ouvrage? Et ça, c'est un élément qui pose une certaine contrainte dans le design. La vulnérabilité sismique, si vous voulez, c'est la capacité ou bien c'est l'aptitude qu'un ouvrage, quel que soit cet ouvrage-là de façon générale, à subir des dommages suite à l'avènement d'un événement sismique. La vulnérabilité, ici, elle diffère pour différents événements sismiques. Pour le même bâtiment, si vous avez le sisme de Boumerdès ou bien vous avez le sisme de Bouira ou bien vous avez le sisme de Mijaya, les dommages peuvent être différents. Les dommages encourus par la même structure sont différents. Les enjeux, c'est ce que j'ai parlé ici, les enjeux, c'est les éléments à risque. Alors, tout peut être donc représenté par cette matrice-là. Donc, vous avez le risque ici, vous avez le facteur alia sur lequel vous ne pouvez rien faire, sauf peut-être spéculer. Pourquoi je dis spéculer? Parce que je ne connais pas la pratique chez nous, mais au Canada ou bien en Amérique du Nord, les assurances sont une partie prenante. Lorsque vous allez assurer votre ouvrage, il faut convaincre l'assureur de la robustesse de votre conception. Il faut juste, c'est juste une petite parenthèse que j'ouvre. En Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada, il n'y a pas d'ingénieur contrôleur. Ça veut dire que si vous êtes ingénieur concepteur, vous allez apposer votre griffe, vous allez apposer votre signature, vous êtes responsable et vous avez une responsabilité aussi bien civile que pénale. Si jamais il va arriver quoi que ce soit, ce n'est pas comme en Algérie, il n'y a pas le CTC ou bien en France où il y a la Socotec ou bien Veritas. Ces organismes-là n'existent pas, vous n'avez pas un autre organisme qui va contrôler, qui va faire le travail de contrôle pour vous, loin de là. Vous êtes votre propre maître depuis la conception jusqu'à la validation, jusqu'à l'exécution, jusqu'à la réalisation. Vous en êtes responsable. Et puis, c'est pratiquement vous qui allez négocier pour le maître de l'ouvrage avec l'assurance sur combien vous allez négocier. Donc, si vous êtes sûr de votre conception, vous pouvez négocier une assurance ou bien une police d'assurance moindre. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr et puis que vous avez en face de vous votre vis-à-vis est un connaisseur, il peut remettre en cause votre conception en invoquant ce côté-là, alias. C'est pour ça que je dis ce critère-là, ce paramètre-là est très critique dans l'approche de l'évaluation des risques sismiques.
Alors, l'autre partie donc, que je vais évoquer, c'est la vulnérabilité. Donc, on ne peut rien faire si je vais transposer l'approche à l'Algérie. Donc, je dis que l'aléa sismique, on ne peut rien faire. On a un contexte sismotectonique qui fait que l'Algérie, elle est le siège de sismes modérés à élevés parfois. Maintenant, je ne connais pas, peut-être que mes amis du CRAG ou bien puissent me renseigner sur cette probabilité-là, sur cette éventualité-là d'avoir des sismes majeurs au cours des 100 prochains ans. On a pensé que le sisme de Schlieff allait se produire de 1954, allait avoir lieu chaque 30 ans, chaque 40 ans. On est pratiquement, ça fait 40 ans qu'on a le sisme de Schlieff de 1980 et puis rien ne se passe. Et puis là, ça crée une espèce d'angoisse puisque vous savez très bien, enfin c'est juste encore une parenthèse, cette période d'accalmie-là, elle ne présage pas de bons signes parce que là, les contraintes sont en train d'accumuler et puis il n'y a pas de ce qu'on appelle stress release. Et donc, s'il va y avoir un sisme majeur, ça va être, un sisme ambigu. Donc, tout se joue au niveau de ce paramètre-là pour pouvoir justement prendre en considération la vulnérabilité ou bien pour pouvoir entreprendre une étude de vulnérabilité au sisme des bâtiments ou bien du tissu urbain. Alors, sur la sismique, là, j'ai pris, si vous voulez, quelques diapos des travaux que j'ai fait avec le professeur Benoît dans le cadre de ma thèse de magistère en 2001. Ça fait déjà 20 ans. Je pense que les choses ont évolué depuis. Alors, si vous voulez évaluer l'aléa sismique, vous avez deux approches. Vous avez l'approche déterministe et puis vous avez l'approche probabiliste. L'approche déterministe, elle est beaucoup plus utilisée en industrie nucléaire, donc aux États-Unis, bien en France. Et elle se base essentiellement sur la définition, si vous voulez, du sisme maximum historiquement vraisemblable. Et puis là, c'est également un élément de controverse. J'espère que mon ami Saïd Maouchi et Ayadi et toute la clique du CRAD sont là, peut-être pour qu'ils me corrigent, pour me dire qu'en est-il de cette approche-là pour notre contexte sismotectonique en Algérie. Pourquoi je parle de ça? Parce que depuis le sisme de Boumerdès de 2003, vous savez très bien que la JECA elle a entrepris l'étude de microzonage et puis l'étude de risque sismique de la capitale Alger. Et puis, eux, ils se sont basés sur la définition ou bien sur la supposition d'accidents tectoniques, donc sur des failles qui étaient capables de générer des sismes d'une certaine intensité au niveau de la baie d'Alger. Et puis, c'est sur cette base-là que le scénario du risque sismique a été mis en place et sur cette base-là, les études de vulnérabilité ont été entreprises. Vous avez la deuxième partie, vous avez l'approche probabiliste. L'approche probabiliste, donc, elle se base, si vous voulez, sur une loi de distribution de différents paramètres qui caractérisent le mouvement sismique. Tout dépend là où vous êtes. Si vous êtes, comme mon ami Saïd, je l'évoque beaucoup parce qu'on discute beaucoup, si vous êtes un sismotectonicien ou bien un géologue structuraliste, vous n'allez pas vous intéresser aux paramètres du mouvement sismique qui intéresse l'ingénieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accélération, c'est la vitesse, l'intensité spectrale et tout ce qui s'ensuit. Eux, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus l'intensité macrosismique. Et donc, l'approche, elle est différente. Ensuite, quelles sont les sources sismiques qui sont potentiellement actives, qui sont capables de générer des séismes? Et ensuite, quel est le modèle des sources sismiques? Alors, qui peuvent être soit des sources ponctuelles, des sources liniques ou des sources surfaciques. Pardon. Donc, voici comment on définit ça. Donc, vous avez des sources liniques, donc ce sont les failles qui sont connues. Vous avez une source surfacique. Si vous ne savez pas donc l'ampleur, l'étendue de votre source qui peut générer un sisme, donc vous pouvez la supposer d'une certaine ampleur. Et ça se définit au niveau d'un site donné. Alors, ça, donc, c'est déterminé, bien sûr, à partir des données géologiques, géophysiques, sismotectoniques. Ce n'est pas fait arbitrairement, c'est fait suite. Et puis, je peux rajouter donc à des études néotectoniques.
donc à la datation carbone 12 ou carbone 14. Ensuite, on va utiliser un modèle de récurrence. Donc, ça, c'est la loi de Gutenberg-Richter. Donc, c'est très important. Elle nous demande, donc, elle nous permet donc de voir quelle est la récurrence de ces événements sismiques-là. Okay. Et puis, en utilisant des lois d'atténuation, donc, on est capable, si on choisit un paramètre qui caractérise l'excitation sismique, donc, accélération, vitesse, déplacement, intensité spectrale, tout ce que vous voulez. Donc, on peut choisir une relation d'atténuation spécifique et puis qui nous permettra donc d'évaluer, si vous voulez, l'aléa sismique au niveau d'un site qui correspond à une période de retour pour une certaine période d'exposition ou bien pour une certaine probabilité de dépassement. Je m'excuse, je vais vite parce que c'est pas ça l'objet de ma présentation. Et donc, au final, c'est ça, si vous voulez, ce qu'on peut donc déterminer, l'intrant que les ingénieurs de génie civil ou bien les ingénieurs qui s'intéressent au génie parasismique ont besoin de connaître quelle est cette probabilité de dépassement d'avoir une accélération d'une certaine intensité. Ça, c'est très important pour nous, parce que on va définir ce qu'on appelle des sismes modérés, on va définir ce qu'on appelle des sismes majeurs. Et puis pour ça, on a ce qu'on appelle des niveaux de performance différents. Alors, ce que je voudrais encore redire, c'est que, s'il vous plaît, ce sont des éléments de réflexion que je suis en train de jeter, de semer comme ça. Et puis, j'aimerais bien avoir cette réactivité à la fin de la présentation pour pouvoir mettre la machine en branle, parce que je veux au moins être en mesure de lancer les jalons d'une réflexion sur les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité au sisme telles qu'on veut le faire par la suite en Algérie. Alors, je passe maintenant à la vulnérabilité ou bien à l'évaluation de la vulnérabilité au sisme. Alors, lorsque je parle de la vulnérabilité ou bien de l'évaluation de la vulnérabilité au sisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle implique quelles sont les données espérer ou bien quelles sont les données attendues pour un élément à risque qui résulte d'un certain niveau de l'aléa sismique. Donc, cette notion d'évaluation de risque sismique, elle est intimement liée au degré de dommage qui vont survenir pour un élément à risque donné. Donc, cet élément à risque, encore une fois, donc ça peut être des pertes économiques direct, ça peut être des pertes en vie humaine, ça peut être également des bâtiments, des ouvrages, des ponts, des barrages et tout ce qui s'ensuit pour une certaine intensité sismique ou bien pour un niveau d'aléa donné. Alors, je ne recrée rien, donc je suis juste en train de synthétiser. Alors, essentiellement, on a deux approches si on peut quantifier cet aléa sismique. On a la vulnérabilité empirique ou bien la vulnérabilité observée. Alors, ça, elle réfère, si vous voulez, aux évaluations qu'ils ont basées sur des statistiques ou bien sur l'évaluation des dommages des sismes qui sont passés. Donc là, on vient, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a un sisme qui survient, il cause des dommages, on sort en équipe. On fait une expertise visuelle. Bien sûr, on a des fiches techniques à remplir. Je vais vous montrer par la suite. Et puis, on se donne une échelle macrosismique. On se donne, par exemple, l'échelle de Mercalli ou bien on se donne l'EMS, l'échelle macroscopique européenne, EMS 98. Et puis, sur cette base-là, on essaie de caractériser quels sont les dommages qui sont survenus pour les types d'ouvrages ou même pour les types de constructions qui existent. Les types de constructions, ça peut être des constructions en maçonnerie, des constructions en béton armé, des constructions en charpente métallique ou même des constructions en bois. Ou bien, il y a la deuxième approche, c'est l'approche prédictive, ou bien la vulnérabilité prédictive qui, elle, ou bien on appelle ça la probabilité, ou bien la vulnérabilité mécanique, qui, elle, va mettre en application, ou bien va mettre en jeu un certain nombre de paramètres. Ça va se faire, c'est une simulation numérique
qui va faire rentrer en jeu le jugement de l'ingénieur. Pourquoi je dis ça, le jugement ingénieur? Parce qu'on va devoir avoir besoin, si je veux faire une analyse statique ou bien une analyse dynamique non linéaire, j'aurai besoin de définir mes accélérogrammes, j'aurai besoin de définir quels sont les enregistrements fiables qui s'appliquent à mon contexte sismotectonique, qui s'appliquent également à mon site d'implantation. Ça, ça fait partie du jugement de l'ingénieur parce que ce n'est jamais quelque chose de fixe. Je vais également supposer quelle est cette probabilité-là de dépassement. Encore une fois, ça c'est très important. Si vous allez construire un bâtiment qui va durer 50 ans, vous êtes obligé de pouvoir définir quelle est la probabilité d'occurrence d'un événement qui a une certaine probabilité d'être dépassé. Ça, c'est pour les ouvrages récents. Si vous voulez, entre parenthèses, en maîtrise. Maintenant, pour les ouvrages existants, c'est une autre problématique. Parce que si, je vais en parler par la suite, si je parle aux ouvrages existants, c'est très difficile de définir la durée de vie, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de bâtiments historiques, de monuments historiques qu'on veut conserver. Et là, c'est très critique comme paramètre. Et puis, quels sont les scénarios? Donc, tout ça, ça rentre dans cette vulnérabilité prédictive. Alors, ça peut, si vous voulez, ça peut se présenter sous forme de deux niveaux. Donc, le niveau 1, c'est l'approche statistique, donc, qui est basée essentiellement sur l'analyse des dommages des sismes passés. Donc, c'est une approche qui a été appliquée en Italie, en Grèce, en Roumanie, en Macédoine, en Algérie. Je note enfin les travaux qui ont été faits donc par notre collègue Jalel Fouzia, donc pour Alger, qui elle s'est basée sur la méthode de Benedetti. Donc c'est une méthode qui a été développée en Italie. C'est une méthode qui est basée beaucoup plus sur l'assignation de facteurs de pondération à des facteurs de vulnérabilité. Et puis sur cette base-là, donc on définit, si vous voulez, la vulnérabilité sismique des ouvrages en face d'un accident ou bien en face d'un scénario sismique. Ou bien le niveau 2, c'est l'approche numérique analytique dont j'ai parlé, qui est basée sur l'analyse du comportement mécanique des structures, donc numérique expérimentale avec retour sur les observations lors des sismes passés. Là, c'est très important. Si vous allez recourir à cette approche numérique, ça veut dire que vous êtes obligé de la caler, ce qu'on appelle de caler votre modèle numérique sur le modèle d'observation. Comme ça, vous allez avoir une cohérence, vous allez avoir une parfaite juxtaposition des deux résultats. Alors, je donne juste un exemple qui est tiré juste de l'échelle macroscopique européenne en ce qui concerne les bâtiments en maçonnerie. Et c'est sur cette base-là le CGS, le CTC, ont confectionné, si vous voulez, leur fiche d'évaluation post-sismique. Alors, bien sûr, cette même configuration, elle existe également pour les ouvrages en béton armé, pour les ouvrages en charpente métallique et puis pour les ouvrages en bois. Donc, essentiellement, cette échelle-là, qui date de 92, elle est assez ancienne, même 73, 92, et puis elle a été toujours améliorée au fur et à mesure que on réunit ou bien on rassemble de nouvelles données. Ça a été fait par la Commission sismologique européenne. C'est elle qui a été proposée. Et puis, je pense qu'il y a un bon papier qui a été fait par Grunten en 98, je pense. Je peux vous donner les références par la suite. Donc, si on regarde les structures en maçonnerie qui, eux, représentent la majorité, je dis la plus grande majorité du bâti existant en Algérie, avec beaucoup plus de précautions. Alors, on peut définir 5 niveaux de vulnérabilité ou bien 5 niveaux de dommages qu'une structure peut encourir. Alors, le niveau 1, le niveau de dommage 1, on n'a rien comme dommage. Le niveau 2, vous pouvez voir, donc, au niveau de vos panneaux, au niveau de vos murs externes, vous pouvez avoir quelques fissures, bien qu'on appelle donc des fissures ou bien des dommages non structuraux. Donc, ça, on peut classer comme niveau de dommage 2. Et puis ici, vous allez avoir en fonction, vous voyez ici, donc on a des fissures en X, ça veut dire qu'on a des déformations ou bien des dommages qui sont dus à l'effort tranchant. Alors là, on peut les classer comme niveau 3.
Ensuite, si votre structure a subi un certain nombre de dommages au niveau de la toiture, au niveau des éléments structuraux, donc c'est le niveau de dommage 4. Et puis, si votre structure elle s'est complètement effondrée, c'est le niveau de dommage 5. Alors, à partir de ça, donc, on a défini donc, les types de mesures à entreprendre et c'est ce qui a été directement fait ou bien préconisé dans nos fiches d'inspection post-sismique. CTC, CGS. Alors, si vous êtes au niveau, si vous avez des dommages de type 1, de type 2, vous avez de faibles réparations, pratiquement rien. Si vous avez des dommages de type 3, alors là, vous allez faire des réparations moyennes. Si maintenant vous avez des dommages de type 4, de type 5, à ce moment-là, donc, on va parler soit de destruction, d'évacuation. Alors, si vous êtes entre le niveau 3 et le niveau 4, c'est là où on parle de réparation, c'est là où on parle également de renforcement, c'est là où on parle de réhabilitation. Alors, lorsque je parle de renforcement, ça veut dire ramener, réhabiliter un ouvrage. Il faut faire la distinction entre deux termes qu'on utilise de façon interchangeable, mais qui peuvent prêter à confusion, c'est réhabilitation et puis renforcement. Réhabiliter un ouvrage, c'est le ramener au même niveau avant d'avoir ce séisme-là. C'est au même niveau, à la même capacité. Le renforcer, c'est lui donner une plus grande capacité pour qu'il puisse résister à d'éventuels niveaux de dommages ou bien à un niveau de dommages beaucoup plus important. Alors, ça, c'est la fiche d'évaluation des dommages qui a été donc utilisée, qu'on a tous utilisé. Moi, je l'ai utilisé à partir de 1994, donc dans le sisme de Méchaugrin de 1994, si ma mémoire est bonne, le 18 août 1994. Et le hic, c'est que cette fiche-là a été convenablement remplie, on peut en tirer quelque chose en ce qui concerne l'estimation de la vulnérabilité empirique. Je m'explique et puis j'ai fait la remarque, je me rappelle, en 2000, suite au sisme de Ain Timucent. Je me rappelle que lorsqu'on est sorti sur site, hormis les équipes du CTC, hormis les équipes de CGS, qui eux savaient plus ou moins remplir ces fiches-là, qui paraissent un petit peu simples, on a fait appel, parce que c'était une grande campagne post-sismique, donc on a fait appel au bureau d'études, on a fait appel, si vous voulez, au DEC, on a fait appel à tous les autres intervenants, à tous les génies civils pour pouvoir remplir ça. Et puis, lorsque on est amené à traiter statistiquement ces fiches de données-là, on n'a rien pu tirer comme information pertinente qui nous permettait de pouvoir construire nos courbes d'endommagement ou bien nos courbes de vulnérabilité pour ce séisme-là. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir cette démarche-là. Je parle du CTC, je parle du CGS, il faudrait qu'ils aient cette démarche-là de pouvoir anticiper l'événement sismique. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils fassent dans la formation, à la perfectionnement des ingénieurs qui, le jour où on va avoir un événement sismique, sont capables de pouvoir remplir ces fiches-là et de les remplir de façon fiable, de telle sorte à ce que lors de l'exploitation statistique des données qui sont ici, on peut tracer ces courbes de vulnérabilité qu'on peut par la suite comparer avec les fonctions de vulnérabilité, si vous voulez, numériques. Alors, ça, je l'ai pris donc du CGCTC, c'est juste ce qui s'est passé suite au séisme de Boumerdès pour les bâtiments, pour les logements, ou bien pour les bâtiments habitation, qui correspond au niveau des dommages que je vous ai présentés, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voici le niveau des dommages qu'il y a eu. Donc, ça reste hypothétique. Maintenant, si je reviens aux bâtis existants algériens qui existent. Alors, ce sont toujours des statistiques hypothétiques. Je ne connais pas ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, mais ça a été en 2013, donc ça a été pris d'un rapport du CGS. Donc, le parc immobilier hérité de l'ère coloniale représente 850 000 bâtiments qui datent d'avant 1945.
de 950 000 bâtiments construits entre 45 et 54, et puis de 248 000 bâtiments réalisés entre 54 et 62. Alors, si vous allez regarder, vous pouvez voir que la plupart de ces bâtiments-là ont été construits avant l'avènement des règles parasismiques algériennes. Si je parle de ces bâtiments-là, de ces 850 000, il est clair qu'à cette époque-là, il y avait des séismes là, mais qui étaient très mal documentés, et donc on n'avait pas accès, si vous voulez, aux archives pour pouvoir voir quels sont les dommages qui étaient encourus par ces ouvrages-là. Et donc, jusqu'en 45, pas de code parasismique, rien. On n'avait rien. Il y avait uniquement un code de conception du béton armé. Entre 45 et 54, la même chose. On avait commencé donc à introduire des bâtiments en béton armé, ici. Et là aussi, il n'y avait aucun code de conception parasismique. Il n'y avait pas de RPR. Ce n'est qu'à la suite du séisme de Schlüff de 1954 qu'il y a eu les premières recommandations, ce qu'on appelait les AS55. Et donc, ces bâtiments-là donc, ont été construits avec ce qui peut sembler être, si vous voulez, des constructions à l'époque qui pouvaient résister au séisme. Je ne parle pas de construction parasismique, je n'utilise jamais ce mot-là, parasismique, mais c'est beaucoup plus de structures qui peuvent, ou bien de bâtiments qui peuvent résister à un séisme. Alors, bien sûr, ces bâtiments-là donc, ont subi de phénomènes de dégradation, donc il y a un vieillissement accéléré, absence d'entretien, je vais en parler, et ça c'est un facteur majeur qui conditionne l'évaluation de la vulnérabilité. Il y a des transformations illicites, ou bien des fois licites. Je prends comme exemple certains bâtiments qui font partie du complexe du CHU Mustapha, lorsqu'on a intervenu à partir de 1993. Je parle par exemple de Bicha, je parle de cliniques CMI, CCI. Donc, au départ, c'était des constructions qui étaient en maçonnerie, de pierre, de un, deux niveaux. Et puis, avec le temps, on a voulu augmenter la capacité d'accueil. Donc, on est venu implanter des structures, une autre structure, on est venu greffer des structures en charpente métallique. Alors, ça a été fait. C'est une transformation qui a été faite sans prendre en considération le côté sismique. Parce que, pourquoi je parle de côté sismique, vous avez une structure en maçonnerie qui, elle est rigide, et puis vous allez greffer sur elle une structure qui est beaucoup plus ductile, et donc il y a cette discontinuité sur le plan de la rigidité, donc ça peut créer des zones de faiblesse. Il y a également des aléas naturels, donc l'érosion qui a fait son effet, et on peut le constater sur l'ensemble des très beaux bâtiments qui existent à Alger, à Constantine, à Oran, qui sont en train de tomber en ruine par eux-mêmes, par l'effet du temps. Je parle de la Casbah d'Alger, je parle de la Casbah de Constantine, donc avec l'effet du temps. Ensuite, il y a ce vieillissement naturel-là qui, lui, dépend de l'origine des matériaux et puis de l'environnement. Je saute celle-là. Alors, là, c'est ce que je veux vous donner comme information. Et j'ai intitulé ça « Synthèse des études de vulnérabilité entreprises par le CGS et puis autres ». Alors, j'ai connu 3 phases. La phase 1990-1993, à cette époque-là, le pouvoir public, ils ont pris conscience de l'ampleur des dégâts qui peuvent survenir suite à un événement sismique. Ils ont voulu donc initier une étude de vulnérabilité. Bien sûr, le seul organisme qui était habilité à cette époque-là, c'était le CGS. Ils ont confié l'étude au CGS. Et puis le CGS est rentré comme ça, avec les mains nues. Pourquoi je dis les mains nues? Parce que, hormis le code RPA, les règles parasismiques de 88, ils n'avaient rien en main, on n'avait aucune méthodologie. Et à cette époque-là, lorsqu'on est arrivé, je suis arrivé en 91, j'ai trouvé déjà quelques collègues là qui travaillent sur quelques études stratégiques, l'AEA d'Alger, la trésorerie, les centres d'échecs postaux. Donc, on leur a confié ces bâtiments stratégiques là. Alors, et puis il y avait également le centre de protection civile, également au niveau du port d'Alger.
Alors, lorsque je parle de bâtiment stratégique, juste pour clarifier le concept à nos amis auditeurs, ce sont les bâtiments qui doivent rester fonctionnels pendant et après l'avènement d'un tremblement de terre. Si je parle d'un hôpital, si je parle d'un pont, si je parle d'une caserne de protection civile, ces bâtiments-là, ils sont stratégiques. Si je parle d'un centre de télécommunication, ce sont des ouvrages stratégiques. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils restent fonctionnels pendant et puis après l'avènement sismique. Et donc, le niveau de performance exigé de ces structures-là est très haut. Alors, bien sûr, le CGS est rentré avec les mains vides. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était capable de faire, c'est de comparer le niveau d'effort sismique avec celui obtenu par le RP88. Ce sont des bâtiments qui étaient construits dans les années 40, dans les années 30, dans les années 40, donc sans aucune réglementation parasismique. Et puis, le seul règlement qui était disponible à l'époque, c'était le règlement parasismique 88. Et donc, je me rappelle très bien, mes collègues se sont mis, ils avaient des casse-têtes, beaucoup de casse-têtes à pouvoir résoudre. Le premier casse-tête, c'était l'absence d'archives. Alors, vous savez très bien que notre point faible au niveau de l'Algérie, ce sont les archives. Je vous défie d'aller trouver les archives. Ils sont stockés, mais il faut les tirer. Donc, parfois, les seules archives qui étaient disponibles, ce sont les plans architecturaux qui étaient disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Rien. Si vous allez donner ça à un ingénieur structuraliste, il ne peut rien faire avec. Donc, on était obligé de pouvoir reconstituer ces plans-là. Donc, on n'a aucune trace des plans de génie civil qui constituent les intrants pour toutes les simulations numériques. On ne connaissait pas où se trouvaient les poteaux, les poutres, les éléments structuraux, les voiles. On ne connaissait pas quelle était la résistance mécanique des matériaux. On ne connaissait pas quelle était... Le ferraillage qui était mis en place, ni le type de cadre, ni le type d'armature, tout ça, c'était des inconnus pour nous, et puis on était obligé de faire avec. Alors, on avait également omis de pouvoir vérifier le niveau de ductilité ou bien de la demande sismique. Vous savez très bien que l'un des facteurs déterminants lorsque vous concevez une structure, c'est de lui permettre de dissiper de l'énergie. Cette dissipation de l'énergie, elle est conférée en donnant à la structure une certaine ductilité. La ductilité, dans sa définition la plus simple, c'est cette aptitude de la structure à aller au-delà de son domaine élastique, donc à pouvoir se déplacer, à pouvoir dissiper cette énergie-là. Or, dans l'approche qui a été faite entre 90 et 93, mes amis, donc, mes collègues n'étaient pas en mesure de pouvoir déterminer cette ductilité-là. Également, on avait une absence de signaux sismiques attendus. On ne savait pas quel était le sisme à venir. On ne pouvait pas. On parlait tous de la faille de Kherdin et tout ce qui s'ensuit, mais on était incapable de pouvoir dire quelle était la longueur de cette faille-là. Est-ce que c'est une faille, c'est une seule faille, ou bien c'est une faille segmentée? Quels sont les tronçons? Quels sont les segments qui peuvent se mettre en marche? Et tout ce qui s'ensuit. Quel était le sisme maximum probable qui pouvait être créé par ces failles-là? Quelle était l'accélération qu'on pouvait espérer avoir? Donc, tout ça, c'était des paramètres inconnus pour nous. On n'avait pas également des enregistrements sismiques fiables. Les seuls qui étaient disponibles, c'était les répliques de 1980, qui étaient enregistrées par encore la chaîne mobile d'ISIS, mais on ne connaissait rien sur les conditions de site. Également, ça j'en ai parlé, quelles sont les conditions de site? Lorsqu'on a commencé à travailler sur ces bâtiments-là, que ce soit la wilaya, la caserne de la protection civile, le centre de télécommunication, quelles étaient les conditions de site? Est-ce que c'était un site meuble? C'était un site ferme? Est-ce qu'il y avait amplification? Pas d'amplification? Tout ça, c'était inconnu pour nous. Également, quelle était la période de retour de l'événement sismique? Quelle était la période d'exploitation de l'ouvrage? Ce sont des ouvrages qui existaient. Le plus sage de nous aurait pensé que, puisqu'il s'agit d'ouvrages stratégiques, d'ouvrages existants stratégiques qui ont déjà été exploités pendant un certain nombre de temps, à ce que les autorités ou bien le pouvoir public allaient reconstruire de nouveaux centres de décision qui, elles, obéissent aux règles récentes en matière de conception parasismique. Or, les pouvoirs publics s'acharnaient à maintenir ces ouvrages stratégiques-là. Est-ce que c'est dû à leur caractère historique? Je n'en sais rien, mais c'était une problématique pour nous, si vous voulez, techniciens. Il aurait été mieux
que les pouvoirs publics abandonnent ces ouvrages-là, qu'ils, eux, ont classés comme stratégiques, et puis de pouvoir reconstruire, mener une étude de vulnérabilité, par exemple, sur le centre hospital universitaire de Mustapha. C'était caduque. Tous les bâtiments, il y avait plus de 40-45 bâtiments qu'on avait étudiés avec mes collègues, qui a duré plus de 5-6 ans, mais l'étude, elle est caduque parce que tous les bâtiments sont vétustes. Pourquoi ne pas construire un nouveau hôpital qui obéit à de nouvelles, aux règles de conception parasismique de l'heure actuelle, au lieu de se concentrer, tous les efforts sur ces ouvrages-là qui étaient, eux, étaient vétustes, qui ont fait, disons, leur temps. Donc, ces deux facteurs-là sont primordiaux. Période de retour de l'événement sismique, c'était primordial. Période d'exploitation de l'ouvrage, c'est primordial. Je vais renforcer. Et puis, si les pouvoirs publics vont décider dans 10 ans d'abandonner ce bâtiment-là, ça veut dire qu'on a mis de l'argent, qu'on a jeté de l'argent par la fenêtre pour rien. Également, au niveau de probabilité, j'en ai parlé, niveau de probabilité de dépassement de l'aléa sismique. Donc ça, ce sont des facteurs inconnus qui ont caractérisé cette première période que moi j'ai classée 90-93. À partir de 93, donc il y avait des ententes, il y avait de la coopération avec le Centre international de sismologie et de génie parasismique de Skopje en Macédoine. Alors, on a initié des travaux. Je sais qu'ils sont venus avec nous pendant 2-3 fois. Ils ont séjourné au CGS et puis eux, ils nous ont, si vous voulez, il y a un transfert technique de leur méthode qu'ils ont, eux, développée pour les bâtiments stratégiques. Et puis, cette étude-là a été menée en premier temps pour Alger. Donc, on avait, si vous voulez, une approche scientifique, une approche qui se tenait, une approche cohérente qui nous permettait d'évaluer la vulnérabilité au sisme de ces bâtiments-là stratégiques. Néanmoins, donc, on faisait toujours face à la même problématique. Absence d'archives, aucune trace des plans de génie civil, absence des données sur les caractéristiques mécaniques et dynamiques des matériaux. Et puis ça prenait pratiquement 6 mois, une année à faire ça avant de pouvoir entamer une étude de vulnérabilité en elle-même. La nouveauté dans cette méthode-là, c'est qu'on était capable de déterminer ou bien d'évaluer la capacité de la structure en termes d'efforts tranchants, c'est-à-dire d'évaluer sa résistance à faire face à un événement sismique, et puis à la ductilité, à sa capacité de dissiper de l'énergie. Donc là, avec cette méthode-là, la méthode ISIS, on était capable de le faire. Bien sûr, ils nous ont aidés à définir 2 niveaux d'aléas sismiques qui correspondent à des niveaux d'accélération de 0,15G et 0,25G pour des périodes de retour de 100 ans et 500 ans. Alors, on a travaillé avec ça pendant des années. Et puis la question, alors le 0,15G, c'est ce qu'ils ont appelé séisme modéré et le 0,25G, séisme majeur. Pour le 0,15G, séisme modéré, il fallait que notre structure reste dans le domaine linéaire, entre guillemets, ça veut dire que la structure ne subisse pas beaucoup de dommages, que les dommages dans les éléments structuraux, ils devaient être zéro, et puis qu'on tolérait certains dommages dans les éléments structuraux. Pour le séisme majeur de 0,25G, à ce moment-là, on permettait à la structure de petites incursions dans le domaine non linéaire, ça veut dire qu'on permettait à la structure d'avoir certains types de dommages qui étaient contrôlés, et la structure, il faudrait qu'elle reste fonctionnelle, encore une fois, après, pendant et après le séisme. Alors, maintenant, au vu des intensités, des accélérations qui étaient enregistrées au séisme, pendant le séisme de Boumerdès, pendant les séismes récents, on a vu que ces accélérations-là sont devenues caduques. 0,25G, c'est vraiment caduque, c'est rien. On peut avoir des accélérations de 0,34, de 0,40, de 0,45G, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez me corriger si je me trompe. Ça devient caduque. Donc là, il faudrait revoir cette notion de séisme majeur. On était également capable d'effectuer cette analyse statique et dynamique. Et puis, nous ont proposé, en l'absence des enregistrements propres à nous, donc avec l'aide des collègues de Macédoine, ils nous ont proposé 3 types de séismes, ce qu'ils ont appelé séisme de Churchill, qui a été enregistré suite au séisme de Tipaza de 1989, Ultime, donc avec un J, pas un G, pardon,
qui était lui enregistré en Macédoine, et puis El Centro, donc en San Francisco. Ce sont des sismes qui avaient des contenus, des durées, puis des contenus fréquentiels différents, et pouvaient simuler le champ proche et le champ lointain. Je ne rentre pas dans le détail. Néanmoins, donc, on avait toujours l'absence des conditions de site. Donc, quel était le niveau d'amplification, quelles étaient les conditions de site, on n'en connaissait rien. Okay? Et puis, on ne savait pas quel était le niveau de probabilité de dépassement du niveau de l'aléa sismique. Alors, ça, c'est juste un organigramme qui nous a été proposé, qu'on avait suivi, pour pouvoir mener toutes les études de vulnérabilité sur les bâtiments stratégiques de la capitale de 1993 jusqu'à ce jour-là. Donc, je pense que c'est la même démarche qui est faite. Ensuite, on s'est intéressé au tissu urbain et là, ça a été beaucoup plus mis en branle suite au sisme de Boumerdès du 20 mai 2003. Où on a eu de la coopération avec la JICA. Alors, lorsque la JICA est venue, dans le cadre de la coopération, eux, ils se sont intéressés non pas aux bâtiments un par un, mais ils se sont intéressés au tissu urbain. Et dans leur approche, il fallait d'abord faire tout le travail de catégorisation, de typologie des bâtiments, donc classer les bâtiments selon leur matériaux de construction, donc maçonnerie, béton armé, charpente métallique, et puis selon leurs systèmes structuraux. Donc, les mêmes défis ont été vécus avec les Japonais, et puis avec leur aide, on les a surmontés, et on est allé même, ils ont même utilisé des campagnes de prospection géotechnique, géophysique, pour pouvoir avoir les colonnes de sol, pour pouvoir justement avoir quels sont les spectres de réponse qui pouvaient être utilisés. Alors, leur approche était basée sur la définition des scénarios sismiques, donc sur les failles potentiellement actives au niveau des agglomérations. Donc, ils ont défini les accidents sismiques potentiellement avec des niveaux d'accélération susceptibles d'être générés. Toujours ça, c'est une incertitude. Ensuite, ils ont effectué des analyses dynamiques non linéaires qui leur ont permis de déterminer les fonctions de fragilité ou bien des dommages. Alors, je reprends un travail donc, qui a été fait par mon collègue Mahdi Boukri dans le cadre de sa thèse de doctorat et appliqué, si vous voulez, à Constantine. Alors, l'approche, elle commence donc par définir la courbe de capacité et puis par définir donc des niveaux de performance, et puis ce niveau de performance là il permettait de définir les courbes de fragilité. Donc grosso modo c'est ça à quoi consiste cette approche là qui a été préconisée par la JICA, et puis bien sûr elle n'est pas nouvelle. Avant eux il y a le Radius, il y a Hazus, il y a d'autres projets qui ont eux suivi des approches similaires. Alors, quels sont les facteurs qui affectent la vulnérabilité sismique des bâtiments, que ce soit les bâtiments, je parle ici, les bâtiments existants ou bien les nouveaux bâtiments? On est toujours confronté à cette qualité de mise en œuvre. La qualité de mise en œuvre en Algérie, elle est très faible. Bien qu'on prétende qu'il y ait le contrôle de la qualité de la part du CTC pour les ouvrages publics, pour les ouvrages à usage d'habitation privée, on a trouvé qu'il y avait à boire et à manger, et que la plupart des gens qui ont perdu leur maison individuelle étaient dus à la mauvaise qualité de mise en œuvre. Le deuxième facteur dont j'ai parlé, c'est l'état de préservation. Plus un bâtiment est maintenu, plus sa vulnérabilité elle est moindre. Et ça va de soi. La régularité. Si un bâtiment est régulier en plan, est régulier en élévation, il n'y a pas de décrochement, ça veut dire que l'effet de torsion est minime. Si vous avez une bonne distribution en plan et en élévation de la rigidité, ça veut dire qu'il obéit à certaines règles de base qui peuvent diminuer ce facteur de vulnérabilité. La même chose, la ductilité, elle concerne beaucoup plus les éléments structuraux, les éléments de contreventement. Alors, plus vous avez de voiles, plus vous avez de la redondance, ce qu'on appelle la redondance, et plus votre structure, elle est ductile, elle est capable de dissiper l'énergie.
La position, là, le problème se pose au niveau des tissus urbains. Donc, vous avez des bâtiments à côté d'un bâtiment qui sont juste adjacents. Alors, il y a l'effet du groupe. Donc, tout dépend de la position de votre bâtiment. Si le bâtiment il se trouve à l'angle, il peut subir des dommages. Maintenant, si vous avez des bâtiments qui sont accolés l'un à côté de l'autre avec la même hauteur, là, vous pouvez donc diminuer la vulnérabilité. Il y a l'effet du groupe qui rentre en jeu. Si vous avez également procédé à un renforcement, j'en ai parlé, à ce moment-là, la vulnérabilité, elle peut être moindre. Et puis, si vous avez appliqué les règles de conception parasismique ou bien les conceptions qui font en sorte que votre bâtiment puisse résister au sisme, à ce moment-là, la vulnérabilité, elle est moindre. J'ai laissé ce grand point avec, j'aurais dû mettre un point d'interrogation, c'est les incertitudes. On a des incertitudes sur tout ce que vous voulez. Si je reviens sur les caractéristiques mécaniques et dynamiques des matériaux, on était en mesure de les mesurer, mais il y avait une certaine incertitude. Pourquoi ? Parce qu'on va extraire des petits échantillons des carottes. Ces carottes-là n'étaient pas représentatives. Elles n'étaient pas représentatives. Et donc, lorsque vous allez écraser votre carotte, votre échantillon, vous allez trouver des contraintes de compression très importantes qui n'étaient pas vraisemblables. Les niveaux d'accélération qu'on peut avoir, elles étaient entachées d'incertitude. Lorsque je parle d'intensité, je parle de caractériser un accident sismotectonique, une faille. Quelle est la longueur de cette faille? Ça reste hypothétique. Quelle est l'incertitude sur cette longueur de faille? Quelle incertitude sur le sisme qu'elle peut me générer? J'ai évoqué tout à l'heure sur la carte qui m'a été donnée par mon ami Saïd Marouche sur le mécanisme Foucault. On a des failles inverses, on a des failles décrochantes. La question que je me pose, moi, est-ce qu'une faille inverse, une faille décrochante, est capable de générer le même type de sisme du point de vue continue fréquentielle, du point de vue, si vous voulez, durée, du point de vue amplitude? Donc, dans l'étude de vulnérabilité, il y a beaucoup d'incertitudes qu'on évoque. Alors, en guise de dernier mot, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 30 ans en Algérie. La question qui reste posée pour moi, quel est le niveau de risque accepté que les autorités, que le pouvoir public est capable d'accepter, est capable de définir? Tant qu'on n'a pas, si vous voulez, cette relation entre niveau de performance, entre niveau de risque accepté, quel risque j'accepte? Et ce risque-là, il est dit intimement lié à cette probabilité de dépassement, il est intimement lié à cette période d'exploitation. Pourquoi on ne nous dit pas on garde ces ouvrages-là pour les 20 prochaines années, pour les 50 prochaines années? À ce moment-là, le niveau de risque va être, le niveau de performance, pardon, il va être différent. Il y a des tas de paramètres qui restent en suspens, auxquels on ne peut pas répondre. Et à mon sens, à mon humble avis, c'est pour cette raison-là qu'à chaque fois, on nous ramène des nouveaux bureaux d'études qui viennent reprendre ce qu'on a fait, ce qu'on connaît déjà, sans devoir poser la véritable problématique. La véritable problématique, c'est c'est tout simplement d'améliorer. On a un patrimoine, on a fait quelque chose, elle est là, elle existe. Comment peut-on l'améliorer? Comment peut-on en tirer profit? Comment peut-on répondre, si vous voulez, à cette question d'incertitude? Quel est le risque qu'on va accepter? Mais pour répondre ici, il faudrait amener toutes les compagnies d'assurance, puisque c'est eux qui assurent, et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il y a quelques éléments de questionnement qui restent en suspens et que j'aimerais bien, si le temps le permet, discuter avec vous. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention et puis je m'excuse d'avoir pris tout mon temps là pour ma présentation.
Merci à vous et puis c'est à toi, Mohamed. Merci, docteur Nelly. Barakallahu fik, yatik saha. Faut pas s'inquiéter d'avoir pris ton temps, votre temps. C'est très très important la question que vous posez là. Donc, je vais essayer de prendre quelques questions de l'espace commentaire. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire. Alors, je vais essayer de juste sélectionner quelques questions. Donc, une question de Ran Lia. What is the classification of the East countries from Mila, Constantine, etc.? How much fault do we have in Wilaya de Mila and how about their kinds? Any details about the regional? Yeah, to be frank, so I have no clue. Pour être franc, je n'ai aucune information. Je ne suis pas un géologue. Je ne suis pas sismotectonicien. Je ne peux pas dire. Je sais que la région Mila-Constantine, elle est caractérisée par une sismicité modérée, à modérée, tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, modérée. Lorsque je parle modéré, c'est-à-dire des sismes qui ne dépassent pas les 6, à ma humble connaissance. Si maintenant, parmi l'assistance, il y a d'autres collègues, amis qui peuvent répondre à cette question, donc ils sont les bienvenus. Shukran. Une autre remarque peut-être, Bachir. Dans cette chaîne d'action préventive, je pense qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à la culture constructive parasismique à incluer à l'autoconstructeur algérien en passant par son architecte. Pour un architecte qu'il doit une construction invulnérable vis-à-vis de l'aléa sismique. Donc c'est plutôt un commentaire, je pense. C'est tout un commentaire d'un ami Bachir. Je te salue, Bachir. J'espère que tu as été au bout de ta thèse de doctorat. Effectivement, la plus grande problématique qu'on a rencontrée, le CEG n'a pas rencontré, mais qu'on a rencontré suite aux enquêtes post-sismiques, c'est l'autoconstructeur. Effectivement, Il y a beaucoup à faire sur ce plan-là de la part du CGS, de la part du CTC, en matière, disons, d'éveiller les consciences de l'autoconstructeur. Pourquoi ? Quelqu'un qui... moi, je suis encore étonné en 2021 de voir qu'on continue à confier nos villas à des maçons. Pour moi, c'est scandaleux. Pourquoi on ne fait pas confiance à un ingénieur qui ne coûte rien à un ingénieur ? Il peut être votre concepteur, il peut être votre contrôleur, il peut être, si vous voulez, votre partie prenante, c'est lui qui décide, votre ingénieur conseil. Effectivement, si on a les pouvoirs publics donnent de l'importance à cette culture-là, comme tu le dis, à cette culture constructive parasismique, j'aime pas employer parasismique, genre parasismique, para pour dire elle résiste. Non, il n'y a pas de structure qui résiste. Qui ne sont pas, disons, vulnérables. Il y a des qui peuvent résister. Resisting design. Si tu vois dans tous les codes de construction à travers le monde, le mot parasismique n'existe pas, Bachir. C'est juste pour clarifier le concept. Le parasismique n'existe pas. Si tu dis parapluie, bien parasol, ça veut dire qu'elle te protège contre quelque chose. Rien ne te protège. Regarde l'exemple des Japonais, jusqu'en 2001, ils pensaient que leur centrale, moi j'ai travaillé au PWRI, et puis je sais qu'ils ne s'inquiétaient pas du tout de cet aspect-là, et puis le séisme de Fukushima a mis, si vous voulez, a montré, si vous voulez, la faiblesse de leur conception qui n'était pas, elle, due au système structurel lui-même. Il a résisté, mais c'était beaucoup plus au système de refroidissement. C'est ça ce qui a fait mon sens. Donc, je suis d'accord avec toi, Bachir. Voilà, un autre commentaire de Dr. Saïd Maouch, d'ailleurs, qui va être notre prochain panéliste. Inch'Allah, Sharjay va être notre next keynote speaker. Donc, il vous a répondu. Concernant un tremblement, nous connaissons aujourd'hui leurs paramètres géométriques, ce qui est très important dans le chantier de réduction des pertes liées au séisme. C'est un grand pas en avant. Nous sommes une génération. Les catalogues de tremblements de terre aussi ont évolué par l'homogénéisation et leur enrichissement par de nouvelles compilations. On doit aujourd'hui parler la même langue, civil engineering and researchers, pour avancer. Moi, je fais partie de ceux qui... désolé, je ne peux pas encore voir la suite du commentaire. Je suis d'accord avec toi, ça, et puis je suis content que tu fasses ce commentaire-là. Effectivement,
tu sais très bien qu'il y a la sismologie et puis tu as le génie parasismique et puis le professeur Ambrose, il a créé une nouvelle branche ou bien interface qui englobe les deux, c'est Engineering Seismology. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que si on connaît ces accidents sismotectoniques comme tu le dis bien, moi, ce qui importe pour moi, ingénieur civil que je suis, c'est quelle est cette probabilité-là d'avoir un paramètre. Si je conçois et puis je te dis, OK, tu connais cette faille-là qui fait 10, 20 km, c'est une faille inverse, ou bien c'est une faille décrochante, ou bien c'est une faille normale, tout ce que tu veux. Ce que j'ai besoin comme intrant pour pouvoir faire mes calculs, Saïd, c'est quel est le sisme que je peux générer. Si je ne suis pas capable d'enregistrer physiquement ce sisme-là, je sais qu'au Japon, on fait ça systématiquement, on crée ce qu'on appelle des sismes synthétiques. Et c'est ça. Si tu connais toi la faille et puis tu tires avec ces paramètres-là, la longueur, le pondage, tout ce que tu veux, sa nature, à partir de là, effectivement, si tu donnes ça comme information, eh ben, un ingénieur ou bien un sismologue qui se trouve à la frontière de ces domaines-là, il peut te générer un sisme synthétique qui a une certaine durée, parce que la durée, elle est importante, qui a une certaine intensité, c'est important, et qui a un certain contenu fréquentiel. Les trois paramètres sont importants lorsque on fait des simulations numériques sur nos structures. Donc, je suis d'accord avec tout ça. Merci pour le commentaire, Mounir. Just one other comment. Inch'Allah, fait le projet, je vais essayer d'inviter both structural engineers and the geophysicists or geologists to match the gap. Chacun travaille dans son propre temps. Absolutely. Next question from Belkacem says, the Delft University has been using the seismic interferometry since 2 years in order to reinforce the security system. Why not use it in Algeria? How about numerical methods like Je pense, je ne peux pas répondre, Belkacem, je suis désolé, je ne suis pas au courant, j'ai quitté l'Algérie, ça fait 6-7 ans, donc je ne peux pas répondre à votre question. Mais j'espère que parmi l'audience, nos amis géophysiciens donc, peuvent répondre à ta question. Merci. Another question from Amin Abdesamed. Un grand problème se pose aujourd'hui pour le patrimoine de bâtis situé en zone sismique. La réglementation en termes de réparation est obsolète, malheureusement. Et pour nos architectes, restaurateurs, c'est difficile de travailler compte tenu de cela. Qu'en pensez-vous, docteur? Je vous remercie. Enfin, je suis content que vous soyez là, docteur Absmed. Je sais que vous êtes la pionnière en Algérie en matière, disons, de restauration et puis de renforcement des patrimoines architecturaux. Effectivement, on n'a pas sur ce plan-là, chacun travaille de son côté. Et puis, on n'a jamais fait appel aux véritables, disons, techniciens pour pouvoir s'asseoir autour d'une même table et puis aborder cette problématique. Je travaille, je pense que vous êtes courant, je travaille avec une étudiante à l'Université de Mostaghana, Madame Araf Zobeda, avec qui on a fait un travail de magistère, puis elle est en train de finaliser son travail de doctorat. Et puis, elle a une grande mosquée là-bas qui a été c'était une église comme la plupart des mosquées en Algérie, donc elles étaient des églises et puis elles ont été reconverties en mosquée sans aucun respect à l'héritage et à la valeur historique et puis à la valeur du monument en tant que tel. On n'a pas respecté les matériaux existants et puis j'en ai parlé, on parle de réhabilitation et puis on parle de renforcement et puis ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Réhabilitation, j'en ai parlé, renforcement pour vous rejoindre, effectivement, ce que je pense moi, pour garder intact, peut-être que vous connaissez ce qui se passe en Italie, ils sont très champions en matière de restauration, de rénovation, de renforcement et puis les Anglais, lorsque j'étais, je pense ça fait 30 ans déjà, j'étais choqué de voir que pour certains bâtiments très anciens à Londres, on garde uniquement la façade. C'est extraordinaire. On détruit tout ce qui est à l'intérieur, les planchers, les éléments structurels, et puis on garde la façade intacte. Et puis à l'intérieur, on vient construire une nouvelle structure qui obéit, elle, aux règles de conception parasismique, et puis avec un système de chaînage
avec des pré-contraintes appropriées. Donc, on relie l'ancienne structure à la nouvelle structure. Et puis, en apparence, c'est vraiment bien réhabilité. Moi, ce que je préconise, c'est juste un point de vue, une opinion, c'est que au lieu de venir restaurer de façon anarchique, parce qu'on donne l'étude, on donne le marché aux directions des affaires religieuses, ou bien on donne le marché à la direction de la culture de la wilaya. C'est ce qui s'est passé à Mostaganem, je suis au courant de la problématique. Et puis, on donne ça à à quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine. Lui, il vient carrément, il l'endommage. Il vient, il vous insère du béton armé, il vous fait du ferraillage, il saccage, si vous voulez, tout, il abîme toute la beauté de ce monument-là historique. Ce que peut-être vous êtes sur place et ce qui est à préconiser, c'est que on fait en sorte à ce que la façade, c'est ça ce qui fait la beauté de l'édifice. Les façades, on les garde intactes. Et puis à l'intérieur, puisque les planchers, ce sont des planchers vétus, c'est des planchers en bois, des planchers en bois, des planchers en IPN qu'on a trouvé, des planchers en briques pleines, on peut les casser puisque eux ne peuvent pas transmettre l'action sismique horizontal. Alors on reconstruit une nouvelle structure qui est juste à côté, qui elle obéit aux nouvelles règles parasismiques actuelles en vigueur. Et puis qu'on vient la chaîner. Je sais que un de mes amis et frères, Hassan Oussalem, qui lui au Japon depuis 23 ans, il travaille pour Takaneka, et puis il a développé un brevet d'invention qui date, je pense, de 10 ans, parce que la problématique se pose également au Japon pour les structures en maçonnerie. Et lui, il a trouvé l'astuce. C'est extraordinaire. On était capable de carrément de trouver un chaînage. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a inséré carrément des câbles de pré-contrainte du sommet haut jusqu'au niveau de la fondation pour créer un système monolithique qui est capable de résister à un séisme. Vous savez très bien, lorsque vous avez une structure en maçonnerie, généralement, elle est très faible, elle ne peut pas résister. Mais si vous allez créer un système de chaînage, c'est-à-dire un système monolithique, lui, il va se déplacer en groupe. Okay? Et donc, il est capable de résister aux forces sismiques qui peuvent survenir. Donc, c'est une approche que je préconise. Je sais que chacun, malheureusement, chacun, il y a le ministère, normalement, il y a le ministère de la culture qui est partie prenante. Il y a le ministère des Affaires religieuses, il y a des tas d'intervenants, le pouvoir public, il y a le CGS, le CTC. Pourquoi ne pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, si vous pouvez lancer les gens d'une réflexion au cours d'un séminaire. Vous pouvez organiser le séminaire, vous êtes à Blida, l'Université de Blida, vous pouvez lancer les gens d'une réflexion, amener tous ces intervenants-là et puis réfléchir autour de cette problématique-là pour pouvoir réfléchir sur un code, comme vous l'avez dit, de restauration, ou bien de réhabilitation, ou bien de renforcement des monuments culturels historiques en Algérie. Et Dieu sait, il y en a combien? Il y en a plusieurs. Merci. J'étais très long dans mes sujets qui me tenait à cœur et puis auquel on a fait face avec mon étudiante à Mostaganem. Je pense que voilà, c'est très important d'avoir ces discussions et ces idées sur cette plateforme. Donc, je vais essayer d'enchaîner avec deux, trois petites questions avant de clôturer le webinaire. Alors, merci pour votre présentation. Je veux savoir si les bâtiments en maçonnerie construits pendant la période coloniale avaient un code sismique. Peut-être un petit mot sur la résistance des anciens bâtisses coloniales. Non. Tout ce qui a été construit pendant la coloniale n'obéissait à aucun code parasismique parce qu'on n'en avait pas en Algérie à l'époque. Là, on n'avait rien. Et comme je l'ai montré sur les, disons, brèves statistiques que j'avais, elles ne sont pas mises à jour. Les constructions en maçonnerie n'obéissent généralement pas. Ils sont en train de tenir par la force divine pour ne pas, disons. Mais à l'avènement, moi j'en ai vu, suite au séisme de Tipaza, au séisme de Ain Timochent, au séisme de Bnechougral, j'en ai fait partie des campagnes post-sismiques, et puis toutes les structures en maçonnerie, c'était des structures qui n'étaient pas chaînées. Qui dit non chaînées, ça veut dire que vous allez avoir des déformations hors plan, vous allez avoir votre panneau du mur qui va carrément sortir à l'extérieur parce qu'il ne peut pas résister. Maintenant, si vous allez, et puis on a constaté. D'autres qui étaient un peu intelligents, ils ont utilisé des tirants. Vous pouvez voir une forme de S, des tirants.
Alors là, ça a résisté. La toiture, elle s'est effondrée, puisque ce sont des toitures en bois. La charpente, elle était en bois avec des toitures en tuiles. Tout ça s'est effondré, mais on a gardé l'intégrité, si vous voulez, de la structure en maçonnerie. Donc, la plupart n'obéissent pas, si vous voulez, aux règles de conception parasismique actuelles. Merci, Dr. Maïdi. And last questions. Sorry, we have so many questions and we don't have enough time, so I had to pick some interesting ones. Mehdi Abdelnadim said, what is the future of seismic vibration control in Algeria, especially base isolation vis-à-vis to the Algerian seismic code RPA? Thanks a lot. Je vous remercie, Mehdi. C'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que la problématique a été initiée lorsqu'on a commencé le travail sur la grande mosquée d'Alger. Et vous savez très bien qu'à l'époque, le bureau d'études était des Allemands, c'était Cook. Et puis ceux qui devaient réaliser, c'était les Canadiens. Les Canadiens assuraient le maître d'ouvrage, c'est eux qui construisaient. Et puis, on n'avait rien à leur donner. Code ou bien comme cadre réglementaire, c'est ça. Et puis je me rappelle que avec mes collègues à l'époque, M. Blazogui m'a désigné pour justement répondre à la problématique des Allemands. Et puis eux, ils avaient organisé, si ma mémoire est bonne, en 2011, un séminaire au niveau à Bnimsous, c'était le centre, je pense, militaire de Bnimsous. Et puis, ils ont invité des sommités des États-Unis, du Japon, pour pouvoir répondre à la problématique. Et puis, suite à ça, le CGS était amené à revoir le code parasismique 2000. Et on s'est posé la question si on pouvait introduire une partie qui parle des systèmes d'isolation à la base. Et on m'a confié cette partie-là à faire. Alors, initialement, on s'est inspiré, je me suis inspiré de l'Eurocode, je me suis inspiré de l'UBC pour rédiger quelques recommandations pour pouvoir justement introduire, bien pour permettre aux Allemands de pouvoir valider leurs études, l'étude qui a été faite sur la grande mosquée, sur la salle de prière, parce que c'est là où le système d'isolation à la base a été proposé par les Allemands. Alors, il y a eu le premier GTS, donc je pense 2011, il y avait le GTS, donc qui devait valider ou bien qui devait revoir ces règles parasismiques, et puis à l'époque on devait les appeler RPA 2011, ensuite 2012, 2013, et puis maintenant je ne suis pas où ça en est. Et puis le groupe a recommandé que la partie qui devait être un chapitre devait figurer dans les annexes. Donc je vous dis, on s'intéresse depuis le séisme, disons depuis la grande mosquée d'Alger, à ces systèmes de contrôle de vibration. Ce sont des systèmes qui ont fait leur preuve partout, surtout pour les structures importantes, pour les structures architecturales, monuments historiques, tout ce qui s'ensuit. Et puis, on doit fournir ce cadre réglementaire-là. Donc, ce qui va être fait, j'en suis sûr, dans la prochaine version des règles parasismiques algériennes. Voici. يعطيك الصحة دكتور مهدي بارك الله فيك ميرسي بوكو pour cette intervention. Merci beaucoup. We had a lot of questions, a very exciting exchange. Donc let me just invite Abdel Hay to the streaming before closing inshallah. So before closing this webinar, I just would like to remind you had le projet inshallah تاع earthquake hazard mitigation. رانا نديرو inshallah chaque mois, on essaie d'inviter un expert pour parler de ce qu'on fait dans le domaine de earthquake engineering, que ce soit dans le domaine de la construction ou là dans le domaine géophysique. Inch'Allah, each month we will try to invite one expert to share with the people, to the public and student and general people what we are doing in the closed conferences and symposiums so that we can have a better overview of the situation. Inch'Allah, next month we will have our next keynote speaker will be Dr. Saïd Maouch Ducrag.
qui va nous parler des reliques ou là, des signatures géologiques des anciens tsunamis bon, sur le long de la côte algérienne. Again, thank you very much, Dr. Naili. Baraklaw, c'est moi qui vous remercie. Okay. C'est moi qui vous remercie. And, any final words, Dr. Abdelhaj, before closing, I will unmute you. Can you please unmute yourself? شكرا جزيلا أستاذ دكتور نايلي ودكتور عمروش بارك الله فيك فقط أعتذر للمشاهدين والمتابعين على الوقت ضيق والبرزنتيشن كانت استغلنا الوقت للبرزنتيشن لتعمل فائدة دونك ما قدرناش نرفدوا كامل لي كيسيون شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عمروش دكتور نايلي إن شاء الله نلتقوا الشهر القادم في النكست ويبينار إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيكم شكرا شكرا الله